camarades que nous sommes engagés en l'année 2016. 2015 a été une année difficile pour nous. Parce que beaucoup de notre race sont partis en prison. Et ils sont encore en prison. À l'endroit de mes camarades, je voulais dire que cette année soit une année d'engagement et de prise de responsabilité. Parce que nous avons vécu ce que nous avons vécu en 2015. Les gens sont venus distraire pour dire qu'ils sont candidats. Camarades, tirons les leçons de tout ce qui s'est passé en 2015. On appelle tous les camarades à la prise de responsabilité et à l'engagement véritable dans le combat. On ne veut pas des camarades fuyards, des camarades qui disent qu'ils sont à un point X. Quand tu vas à un point X, ils disent qu'ils sont à un point Y. Camarades, si nous voulons véritablement qu'il y ait véritablement une victoire de la démocratie sur le dictateur Ouattara, il faut véritablement que nous nous engageons. Parce que M. Tati le disait, il dit sur le plan judiciaire et sur le plan du droit, il n'y a rien à reprocher au président Gabon. Mais c'est ici en Côte d'Ivoire, là, au niveau de la politique qu'on nous attend. Est-ce que nous sommes véritablement prêts à engager la Côte d'Ivoire? Nous sommes véritablement prêts à libérer la Côte d'Ivoire? Le président Gabon nous attend. Il nous voit, il nous écoute. Il nous voit, il nous écoute. Le président Gabon nous attend. Il nous voit, il nous écoute. Il attend seulement que nous manifestions ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes véritablement prêts pour sa libération? Est-ce que nous voulons véritablement la libération du président Gabon et le ministre Charles Blé Koutou? Est-ce que nous voulons véritablement que nos camarades sortent de prison? Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique? Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour que la Côte d'Ivoire sorte de là où elle est? Camarades, c'est cette prise de responsabilité et de courage. Parce qu'avec Ouattara, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas combattre et tu ne peux pas lutter. On a vu beaucoup de choses à Côte d'Ivoire. Il est question que nous soutenons nos camarades. Il est question que nous sortons de la Côte d'Ivoire de la situation dans laquelle elle se trouve. Il faut des leaders forts, il faut des camarades forts dans la tête, des murs dans la tête. Tu crois au combat. Parce que quand tu ne crois pas au combat, tu ne peux pas lutter pour le combat. Quand tu ne crois pas au combat, quand tu ne crois pas que le Rwanda peut sortir de là où il est, camarade, c'est difficile à toi de lutter. Or, moi, je suis convaincu que le Rwanda peut sortir de là. Le président Gabon nous attend. Il nous voit, il nous écoute. Il nous voit, il nous écoute. Je demande aux camarades de rester tranquilles et puis d'être serein. Sur le 28, nous avons un grand rassemblement sur Baron, pour que le procès du président soit vu en direct. Je ne veux pas qu'on nous raconte des mensonges. Je ne veux pas qu'on nous dise beaucoup de choses. L'intéressant, camarade, que vous dites ici, pour vivre le procès en direct, pour que de là où il est, il sente pas forcément le soutien. Je demande aux camarades de rester tranquille et d'être serein. Il nous voit, il nous écoute. Je demande aux camarades de rester tranquilles et puis d'être serein. Le président Gabon nous attend. Il nous voit, il nous écoute.